Ferme ta gueule, tu nous casses les couilles avec ta boîte de petite pute là. Ferme ta gueule, nique ta mère là. Nique ta mère. Tu nous casses les couilles, Ange. Bah, on sont super devant tes lives. Mais nique ta mère, Ange. Est-ce que je peux juste te parler, s'il vous plaît? Ils sont toujours dessus parce que Riri, il a un compte. C'est le meilleur. Ouais, non, mais je sais. C'est le meilleur film. Mais là, on les a bloqués. Je te promets qu'il est toujours sur ton live. Vas-y, coupe ton live et relance-le, Isa. Eh, coupé. On y va ! Voilà, le noir, toujours bon dernier. Merde, ma queue. Bah, tu veux quoi ? Pardon, putain, gros. Ouais, je suis en autopilote de ce gag. Excuse-moi, mon ref. Vas-y, attends. Comment on enlève ça ? Pourquoi ça coule là ? Ça fait longtemps que tu n'as pas pissé ou quoi ? Mais faut ranger. Merde, et comment je l'enlève ? Et tiens ta bite. Attends deux secondes, je vais en foutre un peu dans le comico après on se cache. Le tapis, t'es mal le tapis à l'entrée. Il va être bien imbibé de pisse, les mecs, ils vont pas s'en rendre compte. Super malin ça. Tu veux pas jouer ton rôle à fond quand on demande des instructions sur les. Tu le fais pas, tu préfères t'occuper des autres, Aka. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Après, faut s'y reconnaître que vous savez pas. Oui, mais moi je débute, je sais pas jouer. Je répare les gars depuis tout à l'heure, le bateau n'a pas. J'attendais des instructions de la part d'Aka qui s'est autoproclamé capitaine et qui au final n'a pas le niveau attendu pour ce genre d'aventure. Que... Hey, je vais te dire un truc, chat médaille. Va te faire enculer, ça va ? Pardon ? Va te faire enculer, chat médaille. Je te dis la vérité, va te faire enculer. Attends, c'est tu vas voir de quel bois je me chauffe. Tu sais que je travaille à la SNCF. Parle mieux, chat médaille, toi. Je te préviens, espèce de connard, moi j'ai le bras long dans ce Discord, je peux le faire tomber, moi. Ah, je peux le faire tomber. Tomber, moi, tu vois. Regardez ce qu'il est en train de faire, les gars, il est en train de essayer de me tuer. Mais non, mais c'est rien à foutre. Tu perds rien pour attendre, là, Capulco, j'ai tout enregistré. Ça fait 1000, je m'en bats les couilles, j'ai 1500 heures de jeu. Oui, mais t'as pas de niveau requis. Écoute-moi bien, espèce de connard. J'ai le niveau, frère, et toi, tu me parles de quoi? Tu vois pas, t'es en train de rien faire depuis tout à l'heure, là? Bah, je t'emmerde. Depuis tout à l'heure, le mec, il dort sur son truc, il regarde la télé, il va te faire foutre, c'est bon, je pense. Et alors, j'approche ta centaine. Allez, c'est bon, démerdez-vous. Pardon, pourquoi vous... il n'y a pas les parties ? Entre un qui troll, entre l'autre qui prend rien, qui regarde le Tour de France, allez, c'est bon. C'est toi le problème. Bon, Gérgé, je fais un signalement concernant cette énergumène. Ça rentre pas en France, étranger. Encore déconnecté comme les abrutis sur ce serveur. Oui, étranger, j'ai très bien compris qui t'étais. Avec ton accent, là, qui vient du sud, très au sud, ouais. Ouais, mais toi, par un vieux raciste, là... Je suis pas raciste, je suis français, monsieur, Allez, qu'à dégâts, il s'est barré. C'est bon, il s'est barré. N'importe quoi. Attends, je vois si ça rend bien, s'ils auraient pu mettre ça aussi dans une autre version. C'est le plus juif, foie de canard. C'est le plus riche, foie de canard. Le plus chiche. Le plus chiche, le plus juif. Mais non, mais les gars, vous avez les oreilles Terminax, quoi. Là, il a compris vif, chiche, juif. Personne n'a dit chiche, non, mais les gars. Vas-y, casse-toi avec ta voiture de poussin jaune, là. Non, t'irais pas, c'est ce qui. Ouais, viens, meuf, on se casse de ce quartier de schlag, là. Et on se casse. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pas, oh, on a rien fait, monsieur. Parlez-moi, c'est quoi ce respect ? Bah, on vous respecte, on savait pas. Que... pas bien fait, ouais, mais on savait pas qui vous étiez, c'est tout. On est désolé. On savait pas, les gars. Demandez au médecin. Seul médecin, pouvait leur dire que je suis gentil. C'est votre collègue là ou quoi ? On le connaît pas, non. Clairement, il était avec vous tout à l'heure. Bah, non, il est arrivé à bien après. Fléchis. Allumez-le, voilà, allumez-le. Oh putain, il va se cracher sur nous. Il est mauvais carreau. Il va tomber sur nous. Attentat sur le médecin. C'est la meilleure scène de 2020. Ah putain merde, je me suis trompé dans l'atterrissage. Eh, nique la police, allez vous faire enculer. Ah bah c'est mort déjà. Hein, comment ça c'est mort? Bah si tu commences comme ça, oui. Bah ça va, c'est pour faire genre comme il y a les CRS là, avec, le climat actuel, c'était pour rendre bien la chose, tu vois. Regarde ce que je vais faire. Eh les flics. Eh bande de Lost Bar, vous avez rien à foutre de vos journées, il y a des mecs qui se font buter et tout, qui se font agresser, vous prenez que dalle. Bah on est là pour quoi? Quoi, je pense que c'est une grosse gueule. C'est rapide. Il y a quelqu'un qui du coup a tué la personne devant nos yeux. D'accord. On prend la réanime. Non mais reste là, passe-la moi je veux dire. Non on peut pas, c'est un rendez-vous pour 20h là, on doit faire vite. Mais rendez-vous de quoi, de kebab pour la dernière fois? De aller manger chez mamie. En fait maman m'a dit, t'as pas le PC, t'as pas le temps. Oui maman, je mets le short. Non mais laisse le micro, elle m'entend là? Non.
Attends, au pire, tu en transmets, tu lui dis. Madame, il est. On était en train de. J'étais avec Major, je lui expliquais la trigonométrie. Tout va bien, hein. Ne paniquez pas, madame. Je vous le rends, votre fils. Non, je vais suivre les conseils de Plastic Love d'écouter ma maman. Ah, j'avoue, c'est important. Ouais, mais c'est pour lui dire que voilà, quoi. T'as pas fait de mal. Mamie Colette. T'as rien fait de mal, c'est bon, vas-y, va la voir. Non, je vais te remettre mes chaussettes là. Ah, du doigt, toi. Ok. C'est pour ça que je suis venu avec le prince pour faire des demandes de dons. Pour avoir du ciment, du. Voilà, la totalité pour pouvoir. À faire ma maison, quoi. Ah, t'as le même accent que la Miss France, elle roule l'air comme ça. Ah bon? Oui. Comment non? Elle s'appelle comment? Une voiture. Coucou, ça va? Non, mais elle s'appelle comment? Elle s'appelle la Miss France, Miss Tahiti, là. Ah, je ne sais pas, je suis pas de Tahiti, moi. Ouais, t'es de Polynésie, un truc comme ça, non? Oui, mais je suis pas de Tahiti, moi. Ah, ok. Et toi, tu es d'où? Ah, moi, je suis là, en ce moment, je suis aux îles Comores, là. T'es aux Comores? Ah, tu es Comorien, alors? Ouais, je suis Comorien, ouais. Mais nous aussi, on a des maisons comme toi. Comment la situation est stable, et puis voilà, tout ça. On a découvert on vient tout juste de recevoir des vaccins contre le Covid, qu'on a eu un peu de retard. Ah. Et donc là maintenant on va pas tarder à pouvoir voyager parce qu'on est confiné depuis ça fait déjà 5 ans, ça a commencé, non? Et on a reçu que maintenant, aujourd'hui, les confinés, il y a un mois, quoi. Oui, en gros, personne peut quitter le territoire. Comment? Ah bon? C'est en Afrique? Oui, c'est en Afrique, ouais, mais c'est sur une île. Mais c'est une île assez pauvre, ils n'ont pas les moyens. Les confinés même de ce machin qu'on appelle Covid sont déjà... Ouais. Ne sont plus confinés, il y a de cela plus près d'un an et demi. Mais vous êtes encore confinés? Il y a quoi encore? Oui, là, on est à la 7e dose, là. Ils ont commencé les vaccins il y a quelques temps et... Quand t'es disproportionné en rocade. Je vois un gars. T'es fille, quoi. T'es pas sur la photo. T'es quand t'es jolie. Tu veux jouer avec moi ou quoi? Juste une partie de non classée. Bah, j'attendais des gens. Ok, on attend. Sinon, on peut jouer à deux tous les deux, quoi. Non. Ok, on attend des gens si tu veux, y'a pas de problème. Tiens, t'as quel âge? Je vais pas te dire. Pourquoi? Bah, parce que. Non, ça engage à rien. Salut. Alors, sinon aussi, tu peux. Cherchez-vous des lasts? Ah ouais, on cherche des lasts, quoi. Quoi? Comment on vire les gens? Tu peux pas barrer la. Ah, tu veux que je parte? Non, pas toi, l'autre. Ah, Vlad. Non, dégage, vraiment. C'est pas... Oh, mais pourquoi tu restes sur la défensive? J'ai rien fait, en fait. Je veux juste jouer avec toi, c'est tout. Avec vous deux. Il a fait quelque chose, en vrai? J'ai rien fait. Je viens d'arriver. J'ai juste demandé à la fille si on joue. J'ai demandé son rank, c'est tout. Demande-la. Attends, tu m'as demandé mon âge. Tu m'as demandé si j'étais vraiment une fille. Tu m'as dit que si c'était moi sur la photo. À un moment, faut peut-être arrêter, quoi. Non. Si t'es un chien, on va sur un site, hein. Je sais pas, c'est pas cher. Même quand c'est un garçon, je demande toujours. Mm-hmm. Demande à d'autres gens qui me connaissent dans le Discord. J'y crois même. Si, c'est juste que quand je parle à des gens, j'aime bien sympathiser, c'est tout. C'est quoi? Je parle de choses qui sont légales. De quoi tu te mêles, toi? Je suis la loi, je connais mieux la loi que toi, j'ai fait des études. J'ai un bac plus 5. Tu dois la réglementation. On verra bien si elle est mieux là que moi, mon gars. Mais arrête, t'as même pas été loin, ton bac, tu l'as eu à 29 ans. Alors arrête de parler. T'as dit quoi? Ton bac, tu l'as jamais eu, ça se trouve, c'est des diplômes falsifiés. T'annonces que t'as un DUT, alors t'as rien. Tu consens de toute façon. Alors arrête. Ok, d'accord. En fait, t'es jaloux. En fait, ah non, moi je gagne les procès, moi. Tu vas dans un terrain, je vais gagner, en fait. Le live est enregistré. Non, je suis pas jaloux, c'est que le live est enregistré et t'as pas à faire ce que tu fais, à diffuser mon nom. Mais je fais quoi? Je fais ce que je veux. Pourquoi tu vas pas sur Bigo voir les femmes qui twerk et qui sont à poil et qui, elles, détournent le règlement de Bigo, qui c'est illégal, au lieu de m'attaquer? C'est un métier, aujourd'hui c'est reconnu comme un métier, Cam Girl. Essaye de connaître un peu ton pays, comment il fonctionne, les applications. Tu vis pas avec ton temps, en fait. Tu vis pas avec ton temps. Tu harcèles personne. Prouve-le, personne. Prouve-le alors. Tu harcèles une femme qui parle avec intelligence au lieu d'harceler une femme qui monte son. Pas d'intelligence. C'est très grave, mais c'est très grave. On parle pas d'intelligence, Rodrigo. C'est extrêmement grave. Fais-moi un room tour alors. Fais-moi un room tour. Montre-moi où t'es alors. Tu verras que t'es insalubre. La façade de ton immeuble est insalubre. Je suis à la Ciota aujourd'hui, je suis en vacances, d'accord? Au bord de la mer, tu vois. Voilà où je suis. Je suis en vacances et t'es en train de me faire chier alors que je suis en train de. C'est toi qui fais chier les gens qui sont sur Bigo, t'as pas le droit de faire ça. Mais d'où j'ai écrit où j'ai pas le droit de faire quoi? De parler? J'ai pas le droit de parler. De vendre des formations sur Bigo, c'est interdit. Je ne vends rien. Mais wesh, il est con. Oui, c'est exprès. Est-ce que tu fais la promotion dans le live, s'il vous plaît? T'en fais la promotion. Dites-le dans le chat. Est-ce qu'elle a bien fait la promotion? Est-ce que j'ai déjà vendu quelque chose? Allez, s'il vous plaît, soyez honnête. Est-ce que j'ai déjà vendu quelque chose ici sur Bigo depuis 2 ans que je suis alors, montre ton frigo. Est-ce que j'ai déjà vendu quelque chose sur Bigo? Je n'ai jamais rien vendu sur Bigo. Les gens, ils connaissent même pas mon nom. Ah bah voilà, 201. C'est bon, vas-y. Elle est directive, hein. Je peux ou pas? Je peux comme je veux. Comme tu veux, t'as vu, je te donne quand même de la liberté. Ok. Voilà, ça c'est fait. Brichia. Ça s'y attendait pas. Je me suis dit, il y a pas un truc comme ça. Oh, face. Ouais, c'est à l'américaine.
Les choses bien ici. Je suis bien coaché. Bon, écoute-moi bien, tu vas rappeler tous tes gars. Il va se passer des choses dans quelques instants. Je cherche pas à comprendre qui je suis. Attends, t'es indépendant, c'est ça? Et en solo queue, ce con, putain de merde. Attends, écarte-toi juste un instant, juste pour voir s'il y a le code des marches. Ne bouge surtout pas. Attends, reste ici, exactement, à cet endroit-là. Ne bouge surtout pas. Ne t'inquiète pas, regarde-moi maintenant, on va faire un dialogue, toi et moi. C'est bon, vous pouvez le code B. Alors, écoute-moi bien. C'est bien, ça. Pas mal. Il a disparu. Il est où? J'étais à l'instant en train de discuter avec lui et... Apprends à respecter les adultes, moi je pourrais être ton père, mais tu comprends ce que je te dis, mec? Je comprends, mais... Alors supplie-moi de bien jouer. Ok, je sais. Tu veux un autre ace? Vas-y. Phoenix, il est low. Qu'est-ce qu'il a vraiment fait? Bah ouais, mon gars. Tu sais quoi? Eh oui, c'est un smurf, frère. On bat les couilles. Remerciez-moi, suppliez-moi de vous machin de mettre le rôle maintenant. Suppliez-moi. Vas-y. Dis juste respect, s'il te plaît. Sucez-moi. J'entends rien là sur le Discord, j'entends rien. Sucez-moi, j'ai dit. Voilà. J'aime quand ça crache sur mon gland comme ça. Voilà, suffisait de me sucer. C'est juste avoir un niveau normal, hein, vraiment. Y'a rien de spécial ce que je viens de mettre. Hein. Après, bon, mais je suis très actif sur Kick, surtout quand il y a Chanel et salope là. Je la pièce. Non. Après, j'ai déjà eu l'expérience de Modo, hein, chez Aphrodite, là, la bonne pièce. Ah oui, c'est vrai, t'as été avec elle, ouais. Ok. Si je t'appelle en privé, tu me fais voir tes seins? Non, peut-être pas. Qui c'est qui veut venir en privé avec moi, là? Personne, okay. On doit faire une émission, là, mais en tout cas, je prends note, PC. C'est quoi tes mais, qualités? Bienvenue, Francky. Frédéric, c'est quoi tes qualités pour être modo? Je sais pas. Ok. J'en ai aucune idée. Ah bah ça, c'est pas vendeur, mais t'as des choses un peu pour te décrire? Des choses qui permettront de te connaître un peu plus ou pas? Moi, je suis des Vosges. Ok, et ok. Toi? Bien le bonsoir, je suis là pour représenter Monsieur Awan. Du coup, j'aimerais vous dire déjà bonsoir, oui, madame Laoui. Vous êtes assigné à quel barreau? Je suis assigné au barreau de la commune de Casablanca, Enfa. D'accord. Vous êtes autorisé à exercer en France? Oui. Alors, mon prénom, c'est Georges Cohen. Merci, maître Cohen, en tout cas, de venir. Avec plaisir. Vous avez étudié où? Vous avez votre diplôme en France ou... Il a la bombe mille, mais... Je l'ai apprise. Wow. Il a repris la bombe. Quelle erreur. Mais il est trop con. Mais il est con. J'en ai c'était du pain béni. Combien de fois je galère à aller sur les molos. Là, il me l'envoie. Yeah, V12. Yeah, stop that. Stop. Oh putain de merde. Ah oui. Y'a un char, les gars, parlez-vous. Headshot. Headshot. Why are we team killing? Attendez, je vous mets de la converse là-haut. Ça va commencer à se plaindre, regardez en haut à gauche. How do you vote, Kick? C'est ici le live du petit gros qui fait du stop. Non, c'est la porte d'à côté. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire, j'ai un peu enquêté sur vous avant de monter. Je suis parti voir un peu votre entreprise. Du coup, il s'avérait que vous ne faites pas de l'arnaque, effectivement. Et vous avez un OnlyFans qui vous fait un revenu de 200 000 euros par an. Alors, monsieur Georges, c'est très grave pour un avocat de ne pas savoir faire des recherches sur une entreprise, quand même. Parce que oui, et justement, d'après mes recherches, vous avez... Laissez-moi parler, s'il vous plaît. D'après mes recherches, vous avez un OnlyFans qui vous rapporte exactement 257 880 euros par an. C'est enregistré à Maître Cohen, tout est enregistré en fait. J'ai dit, enfin, sur plusieurs plateformes. Non, mais enregistre. J'aurai les enregistrements. Là, il dit, j'ai un OnlyFans et il gagne 200 000 euros par mois. Mais s'il te plaît, enregistre. Ouais, 10 par an, pas par mois. Au moins corrige mes propos, connasse. J'aimerais vous dire, la dernière fois, je vous avais entendu parler qu'on. Allez, circule. C'est la fin de la vidéo. Et t'es tout triste. Mais t'inquiète pas, on revient très bientôt pour du nouveau contenu. Alors pour cela, active la cloche, hein, et tu seras au courant des prochaines vidéos. Et abonne-toi surtout. Lâche un pouce bleu, ça fera plaisir à Riri. Allez, à ciao, bon dimanche.